Un thé dansant, cela commence toujours de la même manière. Un grand parking qui se remplit peu à peu, bien avant l'heure de l'ouverture. Derniers préparatifs, habitués ou petits nouveaux, tous ont revêtu leur tenue de soirée car ils sont venus pour la même raison. Donc, on va là. Tu viens danser ? Il nous manque des cavaliers, hein, si vous voulez. Ah ben avec plaisir. Eh ben on vous attend. C'est important d'être bien habillé pour les thés dansants ? Oh, moi, toute simple. Hein. Oh non, non. Si, toute simple. c'est un moment convivial ou... Oui, oui, on rencontre plein de gens et c'est un endroit où tout le monde sourit déjà. Hein, c'est important, tout le monde est de bonne humeur. C'est bien, c'est un moment de détente, c'est du sport en même temps. Voilà, la vie est belle, quoi. N'oubliez pas de passer par la caisse. Ici, 6 euros l'entrée, chocolat chaud inclus, tout à fait raisonnable. C'est l'association Génération Mouvement, dédiée aux seniors de la ville de Cran, qui organise. Je suis suivi, là. Il y a beaucoup de monde, c'est normal. Normalement, oui. C'est sans doute le jour. C'est toujours comme ça? Oui. Oui. On espère tout au moins. Donc ça vient d'un peu partout, là? Oui. Ah oui, jusqu'à Nantes. Comme aujourd'hui, il y a des gens de côté de Nantes qui vont descendre. Hein. Nantes en pluie? Ah oui. Pour Jérôme Robert? Oui. Plus particulièrement pour lui, oui. Le voilà donc, ce fameux Jérôme Robert dont tout le monde parle, un musicien adopté par des centaines de fans. Jérôme, on adore. Vous allez à chacun de ces... Ah, à peu près, car c'est trop loin, non. Mais on fait des kilomètres quand même, pas mal. Vous venez d'où ? L'Ille-et-Vilaine, comme Jérôme, côté de Sens de Bretagne. Et c'est parti pour 4 heures de danse avec Jérôme et Gilles, son père, qui l'accompagne depuis ses débuts. Pour eux, au compteur, des milliers de concerts, une carrière qui n'est pas prête de s'arrêter. Ça fait 21 ans que je fais des balles, 21 ans qu'on me dit que ça ne va pas durer, et puis ça fonctionne encore. Le tout, c'est de se renouveler, en fait. Il faut toujours essayer de suivre les modes et d'écouter les souhaits des clients, ce qu'ils ont envie de danser, ce qu'ils ont envie d'entendre. Et là, en ce moment, je trouve qu'il y a un renouveau assez fort. Au niveau de la musique, ouais, il y a une page qui se tourne, là, et les gens ont envie d'entendre des nouveautés, pas mal. Des chansons un peu originales, quoi. Génial, ils sont vraiment géniaux tous les deux. Hein. Fais des bisous. Ah, on adore, on adore. Je te regarde comme ça. Oh. On est content de revoir les mêmes visages et on a l'impression d'être un peu en famille, du coup. Et oui, les thés dansants, une vraie folie qui, depuis une dizaine d'années, remplit les salles des fêtes ou certaines discothèques, ouvrant spécialement leurs portes pour ce genre de rendez-vous. Car évidemment, les horaires ne sont pas ceux des nightclubs. Un thé dansant, c'est comme son nom l'indique, à l'heure du thé, bravo. Grâce à ces animations, le bal musette, l'esprit guinguette n'ont donc pas complètement disparu. C'est génial, c'est que du bonheur. Quelle danse vous dansez? De tout. On n'est pas difficile. Et on danse du début jusqu'à la fin, on ne partira pas avant. Hein. Moi, je suis veuve depuis 5 ans et c'est la danse qui m'a redonné la joie de vivre, sinon j'étais, je ne sais pas où. Hein. Ça m'a redonné la joie de vivre et maintenant je ne peux plus m'en passer. Et ces après-midi spéciales, Java, Vals et autres passo-doubles, cela fonctionne grâce à une solide organisation de bénévoles. Tout est réglé à la baguette, sourire compris, avec Jérôme et Gilles en guest star dans les cuisines. On a mis 30 litres de lait aujourd'hui pour faire le chocolat. 30 litres. Nous, on retourne travailler. La vie, c'est comme ça, la musique. 50-50 carrières pour moi. Et la vie est belle, le moral est bon. On y va. Quant à la moyenne d'âge, on n'aura pas l'irrévérence de donner un chiffre. Après tout, rire, danser, se retrouver entre amis, se faire des amis, c'est un moment qui n'a rien à envier à la jeunesse, pourvu que chacun se laisse entraîner dans les flots tourbillonnants des mélodies vintage.